Ou apprendre ça sous compte Twitter Naïb Boukele. Il dit li ka résoudre problème qui gagne en Haïti là. Il a juste besoin d'une résolution Conseil sécurité des Nations Unies, hein, autorisation dirigeant haïtien et puis pour mettre moyens à la disposition. Mais qui moun ki Naïb Boukele ça? Qui ça le fait déjà? Qui fait le quoi li ka résoudre problème en Haïti là? On ouè ça ensemble. Naïb Boukele c'est président pays qui gagne une pi gros groupe gang là dans le monde là, El Salvador. Donc nous commençons avec une idée. Boukele fait en 1981, 2024 là la fait 43 l'année. Boukele diplômé dans l'école panaméricaine de San Salvador. Après ça, il pourrait faire une étude tout dans question droit, mais il pas continuer. Il pourrait quitter pour aller travailler dans entreprise papale. En 2011, il pourrait rentrer dans parti politique FMNL, Front de Libération Nationale Farabondo Marti. En 2012, il pourrait poser candidature pour poste maire sous bannière parti ça. Il pourrait gagner élection. En 2015, il pourrait gagner élection encore. Il pourrait prendre tête mairie dans San Salvador, capitale El Salvador. Ça c'est Naïb Boukele avant de prendre tête pays El Salvador. Avant nous arriver dans qui ça le fait, il pourrait prendre tête pays Salvador. On voit avant qui Jean El Salvador t'est plongé dans question gang ça. Qui donc en garder histoire El Salvador. El Salvador c'est un pays qui trouvé en Amérique centrale. Capitaliste c'est San Salvador. Il y a 6 millions moun k'ap viv là-dedans et territoire c'est 21 000 km². Pays ça prend indépendance li en 1821 dans main espagnol yo. Et même genre avec Haïti, depuis indépendance ça t'est fin prend Salvador t'est trouvé dans une période instabilité sans fin. Pour aller jouer une grosse bataille l'autre bord ça. Quand libéral à quand conservateur. Monsieur libéral qui pourrait gagner bataille ça, et bien on va le mettre en bonne grande sous pouvoir de monde qui est dans planter et puis exporter café. C'est monsieur oligarque. C'est au cap gérer presque tout business dans El Salvador. En 1931, Arturo Arroyo prend pouvoir l'autre bossa. Monsieur vini avec une bonne décision qui part en faveur monsieur oligarque. Bien rapide, monsieur ça va le casser bois dans oreille la meilleure, yo financer. Et 9 mois après, général Maximiliano Hernandez pourrait dire Arroyo, mon cher bam talon. Yo mettez doigt Arroyo à terre et après coup d'état ça, c'est gouvernement militaire sorti 1930 ça pour arriver 1960 yo. Là nous arrivons en 1970, richesse Salvador parti comme ça 20 80 80% dans mes petits groupes qui a bien passé et puis population a nagé dans 20%. Je nous ouais Haïti a misé à monter dans gorge salvadorien. Et bien là on va joindre ouvrier dans usine, dirigeant syndicat, dirigeant dans université. On va dire ça c'est trop bâton. Et c'est là on va créer Force Populaire de Libération Farabondo Marti et qui va entrer dans Front de Libération Nationale Farabondo Marti. Et c'est monsieur ça qui va le gagner dans mais qui va mener Salvador dans une guerre Force Populaire de Libération ça en face l'armée Salvador. De 1981 à 1992, Mbaba nous menti moun tomber l'autre bord ça coule la pli. Et c'est pendant guerre ça tout en pile Salvador rien pour l'obliger quitter Salvador pour aller gagner quoi aux États-Unis principalement dans la cour Californie. Et arrivé dans Californie pour le gros conflit groupe migrant, chaque groupe migrant a goumé pour protéger territoire pa yo. Et dit États-Unis 10 âmes c'est un bel mariage et bien rapide l'autre bossa c'est coup de zame cap tombé entre groupe migrant salvadorien, guatémaltèque, hondurien, mexicain, c'est plus latino yo. Et c'est là monsieur Salvador pour le créer Mara Salvachucha ou bien MS-13 dans la cour Los Angeles. Après, il va jouer Hondurien à Guatemaltec qui va jouer yo. Et en face groupe ça, on va jouer l'autre groupe gang qui va le créer avec quelques Mexicains en tête, toujours dans la cour Los Angeles, qui porte le nom Barrio 18. L'autre de groupe ça va frapper dans la cour États-Unis Los Angeles ça, c'est gros gosé. En 1992, on va jouer là qui font poser dans Salvador. Il y a un pile Salvador qui dit l'autre bois qui dit ah là faut nous tourner la caïno. Et puis par le bon l'autre groupe tout s'est déporté ou pas déporté surtout monsieur qui était dans gang yo. Et là monsieur ça arrive Salvador, le pays la vie pas facile, l'état faible. Par mandem nan ki sa ou va rentrer. Et bien rapide, monsieur a l'arrangé ou là pour jouer une zam pour fonctionner dans quartier. Comme l'état faible dans Salvador, il n'est pas difficile pour groupe gang sa ou te grandi. Depuis le commencement de 2000, Aguilar avec 40 affaires qu'on est, monsieur sa ou te get informé plus gros groupe criminel dans Amérique centrale là. L'année suivante 2014, groupe sa ou, Barrio 18 avec MS-13 sa, yo te get occupé 214 communes dans Salvador. Et qui va au pouvoir sous 1054 quartiers. Pas oublier, de vous gen groupe moun ak zam yon kote, yon un petit produit la difficile pour pas jwenn ni drogue parce que y a besoin d'argent pour acheter zam, pour acheter munitions. Nous en Haïti pour gang fonctionner, gen question drogue la tout, mais le plus compliqué pour gérer parce que li implique l'autre pays et c'est ça qui fait ou vinn jwenn kidnap en plus li interne et l'état faible. Li pas facile, nous n'a mis dans porte pour ça là pour gen yon moun. Et bien l'agent ça
pi facile. Et bien c'est j'aime dit nous, gang sa yo vin mette Salvador tête en bas. En novembre 2015, yo sorti une enquête. 71% de moun nan population di pi gros problème yo c'est problème insécurité malgré gen la vie chère. Et c'est pas menti, nan même 2015 ça nan Salvador yo te jwenn c'est là qui gen pi gros taux moun kap mouri chaque jour, 104 moun sou 100 000. Et yo te classé le pays qui gen plus violence nan monde lan. Et économie a pran koutou. Oh oui, selon Coexport, corporation qui a fait exportation l'autre bossa, en 2015 c'est 1500 entreprises qui te wè pòt yo fermé. Trop insécurité. Comme y a pile violence, moun pa ka mache, moun ap mouri chaque jour l'autre bossa, et bien pa gen moun ki vle rete Salvador depuis yon jwenn occasion bien rapide yon lage pye yo aux États-Unis. Et chaque année, c'est 145 000 Salvadoriens qui quitte Salvador qui lage kò dans l'autre pays. Koun y a an pale. Qui ça gouvernement a fait à question gangza? Depuis les situations te fait commencer dans l'année 90, le gouvernement l'autre bois te mette sous pied la mano dura, qui veut dire un système brafé pour contrecarrer monter gang là. Oh, système ça te commencé par résultat. Et ça quoi le bleu projet ça, c'est politiciens dans Salvador. Et bien l'élection, c'est gang yo utilisé pour prendre pouvoir, gang yo vinn même légitime l'autre bois ça. Et bien c'est même problème dans en Haïti. Nous pas garder une petite vidéo yon bandi dans ça vient. T'as expliqué qui c'est un débuté que t'es balzam dans question élection. Ça fin dit, pas un monde qui prend ça au sérieux. Non, depuis là, la, l'abjoue la ville, l'abjoue l'immunité lui. Oh oui, pouvoir n'apprend même si pays a disparaît. Comme quoi, ça vient dégénérer dans Salvador, sorti 2009 pour 2014, sous présidence Mauricio Funes, l'État a fait des marches pour négocier avec gang, mais c'est pas officiel, non. Pour qui ça? Je dis gang, il a transféré quelques membres gang qui est dans prison, qui ont plus de sécurité, et puis pour gang, bah, la paix dans le pays, il y a une la paix. Oui. Pendant ça, gang, tout profite à faire recrutement, parce que bah, il y a la meilleure sous deux, qui a pédé, bah, ou l'aime chaque jour encore. En 2014, il y a Sanchez Perenne qui ont été président. Depuis notre discours comme ça, il tombe dit, nous pas, nous venons négocier avec gang nous-mêmes. C'est principe. Si t'as vu mettre sous yo bien rapide depuis 2014 ça la paix apparent qui dégain parti dans la fumée gang yo tombé frappé puis red États-Unis promet yo y a collaboré avec yo pour éradiquer gang blague même j'ai fait avec Haïti là comme ça. Et c'est là en 2019 Nayib Bukele pral paraître dans game là à 38 l'année seulement, jeune garçon plein fougue li monté président. Depuis notre discours monsieur li fait qu'on est tout gouvernement qui passe qui échoue dans cause éradiquer gang ça, parce que c'est eux même encore qui a armé yo, qui ba aux capacités, qui vient faire presque prendre tout pays là. Exemple trois présidents qui en affaire la justice. Et Antonio Sakao condamné pour 10 ans prison pour question blanchiment d'argent à corruption. Qui j'ai pour ne faire pas gang? Mais c'est plagué. Bon Salvador lui-même lui bon, il tacle trois. Nous même pire gros procès yo fait qui implique dirigeants qui dans corruption ici dans Haïti. Il fait depuis 1902. Tout chef l'état qui passe dans pays ça après. C'est nèg ça tout y est net oui. Vive la République sans sanction. On tourner dans El Salvador. Depuis notre discours Bukele a montré nous il pas venir jouer. C'est là nous pral voir toute cause a parfois une question volonté. Parfois moi on connait là. Comme dit Jean Bagay intérêt dans ça, il est juste pas fait rien. Mais bah ici depuis son premier année Bukele a, ton criminalité a descend net 18 moun sous 100 000 moun. Ça a quitté plus passer 100 moun sous 100 000 là. Rapide vite go média qui parle sorti un article. Go média yo. Yo fait connait tout moun qui a mouri dans pays a, c'est en cachette président à négocier avec gang yo. Président mandé journal là. Bon quand on jeune ak bêtise ça même. J'aime te dire nous dans commencement, jour noir qui pral gagner dans Salvador, c'est côté gang yo te mettait à terre en masse là presque 100 moun là. Moun k'ap vann, moun k'ap passer, moun ki nan bus. Tout moun jeune. Un jour après gouvernement décrété état d'urgence. C'était première action. Bien rapide parlement rentré dans travail côté augmenter peine de moun yo joine dans zak criminel. 4 avril, bonnet yo mettait 1450 soldats spécial de yo pour le travail sous cerveau opération éradiquer gang ça. Après ça, recharger dans la rue, dans chablende ak dans hélicoptère. Opération boucle vagabond déclenché. Dans premier mois, vous avez mis sous 13 000 membres gang l'autre bossa. Pas de FMG, procureur général l'autre bossa, Rodolfo Delgado, prend la presse pour dire, dans ce moment-là, nous prenons plus de 49 000 membres dans gang yo, qui 78 000 en total. Là, reste même commence à reculer. Bah, tout espace côté vous occupé, vous avez fait zak yo. Parce que là, il y a entré dans tout petit coin, dans la zone rurale, tout côté, hélicoptère en l'air, chablende à terre. Il a mis des principes sous vagabond. Ça tombe sous place, ça a en prison pour 9 ans, ça a en prison pour 45 ans. Bah, les ouzés qui fait l'autre bossa. Les bains, ça va fait, Salvador est content. Parce qu'il y a un moment ça longtemps. Chaque jour, il y a mouru dans la rue, il y a pris un balle dans la rue. Mais le président Bukele qui pense le film bon, il pense que c'est la bien travail. Oh oh, pour me ça qui va le passer, opposition pour le camper. Il va dire ça qu'en fait la façon de faire là,
pas bon. Ah, ça, beaucoup de gens, organisation droit de l'homme, observatoire universitaire des droits de l'homme, vous aurez campé, vous dites ça qu'a fait là, pas de fait comme ça. Li pas fait nan homme. Pour les maps continuer, bien bureau Washington pour causer droit latino-américain. Yo sorti note, yo dit, état d'urgence là, l'état apprend, pas respecter norme internationale dans question droit moun. Gen Amnesty International, gen Human Rights Watch qui dit ça qu'a fait là pas respecter droit moun. Toute organisation levé net dans quoi président. Et même journal le pral frapper, ou pral jwenn New York Times qui pral sorti un article qui pral dit Bukele ça c'est un dictateur, il pas respecter droit moun, la piétiner droit moun. Donc si tout groupe ça va frapper levé dans quoi président, faut qu'il réponde. Et même monsieur pral répondre yo. Monsieur dit, m'a dit à toute communauté internationale là, toute organisation qui dit à défendre droit moun yo, au contraire, c'est droit moun yo compte. Monsieur continue pour le dire. Si gagne pile nan nous k'a parler là. La caille nous gagne des peines tête chargée qui gagne qui pas même gagne boy site là. Nous gagne peine de mort la caille nous pas même gagne boy site là. Gagne prison à vie la caille nous pas même gagne boy site là. Monsieur dit m'ka comprendre réaction nous yo. Qui j'en nous pas faire jeune don pour nous continuer faire étude pour nous dire mais qui pays gagne plus moun k'a mourir. Et si pas gagne problème encore, à qui ça ONG ça va pral servir? Ah monsieur, mettez nan pipio. Et c'est dans niveau ça tout Haïti doit bien garder ça qu'a fait là, surtout les gens de chef d'état Haïti qui pas gain liberté pour prendre des décisions j'en vle, mais qui difficulté qui attend nous. El Salvador c'est pays dans région qui souffre plus dans question gang ça. J'aime dire avant presque 80 000 membres qui dans gang. Bon élément qui doit attirer attention nous. Selon numéro dans taux criminalité dans Salvador, il 87% qui très 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 haut. Et Haïti 79%. 79 87, m'a quoi nous trop loin non. Moi connais si autorité ici tant de chiffres ça va le dire rien pour yo. Qui dit élection arrivé là pour eux. C'est chef gang, c'est même gang ici qui va gérer sans de vote pour débuter ak sénateur. Ça on prend secret. Dans toute élection passée là, nous tout témoin de ça. Donc pour Salvador, a ba résultat ça la ba jodi là, même si gang pile groupe qui pas d'accord sur façon la fête là, c'est juste une question de volonté on chef l'état gagne. La mia t'es toujours là, la police t'es toujours là. Et juste pas de jambes faire rien ensemble avec yo. Bon, si tout s'il bat dans l'intérêt yo. Donc, pas penser en Haïti, c'est moyen qui toujours pas gagné, qui fait nous retrouver nous dans cette situation ça. C'est juste parfois volonté qui pas gagné, mais moun yo mette là pour prendre décision. Pas vrai pour yo, ça va dans l'intérêt. Peace.